Voici 10 transferts officiels de la semaine du 26 juin 2023. Allons commencer avec le premier transfert. Marcus Thuram s'engage à l'Inter Milan. L'international français a signé un contrat de 5 ans et touchera un salaire annuel de 8 millions d'euros. On continue avec le deuxième transfert. C'est Nicolas Jackson qui quitte officiellement Villarreal et s'engage pour 8 années à Chelsea. Le montant du transfert s'élève à 35 millions d'euros. Le troisième transfert, c'est Geoffrey Kondogbia qui quitte l'Atlético Madrid et qui signe officiellement à l'Olympique de Marseille contre un montant de 8 millions d'euros. On continue avec le quatrième transfert. C'est James Maddison qui quitte Leicester et rejoint officiellement Tottenham pour un montant d'environ 45 millions d'euros. Le cinquième transfert, c'est Kai Havertz qui quitte Chelsea et qui rejoint officiellement le rival londonien Arsenal. Le sixième transfert, c'est Edouard Mendy qui quitte Chelsea et qui rejoint officiellement Al Ahly contre un montant de 18 millions d'euros. Le septième transfert, c'est Matteo Kovacic qui quitte Chelsea et qui s'engage officiellement en faveur de Manchester City contre 29 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Le huitième transfert, c'est Gundogan qui quitte Manchester City et qui s'engage librement au FC Barcelone. Le neuvième transfert, c'est Kalidou Koulibaly qui quitte Chelsea et qui s'engage officiellement en faveur d'Al Hilal contre 20 millions d'euros. Et enfin, le dixième transfert, c'est Timothy Weah qui quitte Lille et qui signe à la Juventus contre un montant de 12 millions d'euros.